Moi, je suis de ceux qui pensent, et j'assume mes responsabilités, que la France n'a pas à rougir de son histoire. La France n'a jamais commis de génocide. La France n'a pas inventé la solution finale. La France a inventé les droits de l'homme. La France est le pays du monde qui s'est le plus battu dans l'univers au service de la liberté des autres. La France n'a pas de leçon à recevoir de ce point de vue. Petit matin, 14 juin, si différents sont débarqués. 37 000 soldats, revenus pour pique-niquer. Prétextant un coup d'éventail de la part du dé d'Alger. Charles X décide d'y envoyer son armée. Car l'Algérie a des richesses que le roi de France veut posséder. Cette France qui a des dettes et refuse de s'en acquitter. Choisit la guerre et n'envisage aucune autre solution. Commence alors le déplacement et l'emprisonnement des populations. Une armée assoiffée de sang qui détruit tout sur son passage. N'épargnant rien ni personne à la règle de la carte du village. Monnaie courante deviennent alors les meurtres et les viols. Les fantassins sèment de la mort, les généraux expropriés volent. Les mosquées deviennent des églises et les aouïas sont rasés. Au final, un tiers de la population fut décimée. Juillet 1830, Alger n'est que désolation. C'est que le début de ce drame, avant que ne débarquent les colons. Asservissant les Algériens aux travaux les plus pénibles, leur imposant leur mode de vie, leur culture et leur bible. Avec elle décrète à leur merci, c'est tout le pays qu'ils ont occupé. Massacrant collectivement ceux qui osaient s'y opposer. Fabriquant volontairement des générations d'illettrés, les envoyant dans des conflits dont ils n'étaient pas concernés. Mais qu'ont-ils fait à part détruire et dépouiller pour s'enrichir? Comprend dès lors l'Algérien qui a préféré le martyr plutôt que vivre tête baissée, à ramper comme un animal à la merci de l'occupant qu'elle a fait que propager le mal. L'Algérie sans aucun doute a bien été conquise. Mais au regard de l'histoire, il est clair qu'elle ne fut jamais soumise. Nos jours, certains prétendent que la colonisation serait un bienfait. Je mets quiconque au défi de me citer un seul de ces soi-disant bienfaits. Cette nation algérienne fière de l'être, mais tant pis pour les pieds noirs qui soudainement ont vu leur rêve se transformer en cauchemar. La France et ses droits de l'homme qui n'ont jamais concerné ce peuple d'Afrique du Nord qui s'est battu pour s'en libérer. Concernant la France en Algérie, le mot génocide est plus approprié, parce que si ce n'est pas un génocide, alors dites-moi comment doit-on l'appeler.
العامرين والبر الخليج شحال وضيعت وقت وشحال تزيد ما زالت خليك يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيامك جنين ليك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال مدمول عباد الغفلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال مدمول عباد الغفلين قبلك وقبلي علاش قلبك حزين وعلاش هكذاك الزوالي ما تدومش الزاوي لبطيت علموك تبليك ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغريك يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك يزهريك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبليك يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتوليك شحال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبليك مسافر نعطيك وصايتي بيها قلبك ريك شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشريك يا نايم جاني خبرك ما صرالك اسرالك هكذا رد وقدر في الجرين سبحان عليك يا
رايح وين نسافر نروح تحيا وتوليتو شحال ندمو العباد الغابلين قبلكو قبلكو يا رايح وين نسافر نروح تحيا وتوليتو شحال ندمو العباد الغابلين قبلكو قبلكو يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال دموع العباد الغافلين قبلك وقبلي